Hello, nous sommes jeudi, nouveau vlog, voilà, c'est mon avant-dernier jour, ça passe tellement vite, voilà. Et je crois que je vous l'ai dit hier, mais aujourd'hui genre c'est mon bilan final de stage, genre... J'aime bien un pull, genre il y a des mailles assez ouvertes à certains endroits. J'ai des petits courants d'air, c'est sympa. Hello, bon je vous retrouve, j'ai fini mon matin, voilà. Là je vais direction l'Intermarché puisque demain c'est mon dernier jour et je vais faire un gâteau puis je vais leur emmener genre des chocolats ou des trucs. Du coup voilà, je vais passer à acheter ça avant de rentrer. À la base je voulais aller à la salle mais en fait j'ai pas monté ma vidéo de Snap et j'ai des vlogs, du coup je vais me passer mon après-midi à faire du montage vidéo tout ça. Et je pourrai aller à la salle vendredi, samedi, dimanche, voilà. Enfin peut-être pas les 3 jours, je vais voir comment je m'organise. Et puis du coup on n'a pas pu faire mon bilan de fin de stage. Oui, je disais qu'on n'a pas pu faire mon bilan de fin de stage parce qu'il y a eu des changements en planning, tout ça. Hop, voilà, ça c'est fait. Maintenant je rentre. Il commence un peu à pleuvoir et les petites gouttes là, tombent pourries quoi. Je viens de rentrer. Mon copain a dû lancer une machine. Enfin, il a lancé une machine. Du coup, on n'entend rien. Donc, je vais me poser là. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. Hein. J'ai pas du tout acheté grand chose. J'avais pas besoin de 30 milliards de choses. C'est un peu le bazar derrière. Du coup, l'autre coup, je voulais reprendre ça avec mon copain. Puis, on n'en trouvait pas au Super U. Du coup, j'en ai repris. C'est des crêpes comme ça au fromage. C'est trop bon ça. Ensuite pour emmener au stage j'ai pris des papillotes. J'ai pris du beurre comme ça pour faire gâteau parce qu'en fait moi j'ai que du beurre genre à tartiner. Du coup j'ai pris genre un vrai beurre. J'ai repris bien sûr des bananes parce que Emma sans bananes ça ne va pas. Voilà, j'en ai toujours chez moi. Et j'ai pris du chocolat noir à dessert. Voilà. Et il y a l'étudiante aide-soignante, une étudiante aide-soignante qui finit. J'arrive pas à me déshabiller. Qui finit aussi son stage demain. Du coup ce matin là elle va emmener des trucs. Donc je pense que je vais me sentir assez ridicule parce que ce qu'elle avait fait franchement c'était grave, bon genre ça calait de ouf. Mais c'était trop bon, du coup c'est compliqué de faire mieux. J'ai 2 colis. Hop, du coup je me pose là, je vais ouvrir les colis. C'est pas dans la boîte aux lettres, je pense que j'ai dû les recevoir ce matin comme mon copain bossait pas ce matin. C'est bête parce que nos horaires sont beaucoup inversés en ce moment. Voilà. Moi je finis en début d'après-midi, lui il commence en début d'après-midi. Limite il commençait à l'heure où je finissais en fait, donc c'est un peu bête. Mais bon, on ne choisit pas. Alors, j'ai reçu des produits de la marque Neutrogena. Oups, c'est tombé. Donc j'ai reçu tout d'abord le soin hydratant purifiant non gras. Petite crème. C'est tout de la même gamme, hein. C'est la gamme... Ensuite le nettoyant et masque 2 en 1, donc j'ai déjà celui de la gamme verte, je sais plus c'est quoi non plus, matifiant là. Nettoie et prévient l'apparition de nouveaux boutons et ça en fait j'aime trop parce que généralement je le fais sous la douche. Moi j'ai celui masque sous la douche, je sais pas quoi. Celui-là je sais pas combien de temps il se pose. Laissez poser pendant 5 minutes, voilà. Comme ça je le pose genre au début de ma douche, je continue genre à me doucher et tout. Et je l'enlève après, c'est grave pratique parce que je prends pas souvent le temps en fait de me faire un masque hors douche quoi. Et ensuite le gel nettoyant quotidien, voilà, c'est toujours pratique pareil. Sous la douche après m'être démaquillée genre avec mon gant, je me passe toujours un petit coup d'un gel démaquillant comme ça. Et ensuite c'est de HarperCollins, donc qui est... c'est une maison d'édition, donc vous avez déjà vu, j'ai déjà reçu plein de livres de chez eux. Et là je pense que c'est une box que j'ai pris sur Octoly. Parce que je vois que ça, de trucs de livre qui peut être aussi gros. Truc qui me colle dans ma bulle, ma box de livres. Et là c'est sur le thème cocooning. Donc c'est la box dans ma bulle, voilà. Et j'ai trouvé ça trop cool. Donc déjà elle se présente comme ça. Et elle se présente comme ceci. Donc déjà on a cocooning, nom masculin de l'anglais coucou. Et donc on a un petit résumé de chaque livre. Au programme de votre box, un moment pour prendre soin de soi, un petit gommage avec le gant exfoliant juste parfait, un moment de réflexion ou de créativité, on met sur papier dans son joli carnet ses pensées positives, idées, recettes, envie de voyage,
Un moment gourmandise une dégustation entre deux pages de délicieux chocolat, régal assuré. Donc en fait c'est en collaboration avec HarperCollins et les éditions Harlequin et Mosaïque. Je connais pas trop. Donc on a le carnet, je le trouve trop joli. Comme ça avec un paysage et tout. Et à l'intérieur c'est des lignes toutes simples, donc ça c'est toujours très pratique. Je sais pas si vous avez déjà vu, je vous avais déjà présenté ce livre dans un vlog, mais j'ai l'impression qu'il était plus gros celui que j'ai. Faut que je regarde, mais je l'ai déjà ce livre. Donc du coup je pense que je vais vous le faire gagner parce que ouais je l'ai déjà. Et ça tombe bien parce qu'il y en a un autre. Celui-ci qui était aussi sur Octolib, j'avais failli prendre. Donc c'est La Gomme, le juste équilibre, le nouvel art de vivre suédois de Nikki Brandtmark, créatrice du blog My Scandinavian Home. Ça c'est, ça a l'air pas mal en fait, ça m'intrigue. Il y a, c'est pas un livre genre une histoire, il y a plein de petits trucs rangés soigneusement, 6 conseils pour préparer ses courses, comment limiter le gaspillage alimentaire, il y a quelques recettes, enfin, franchement il y a plein de trucs dedans. Donc je pense que ça va être vraiment top. On a donc le gant exfoliant et on a deux petits chocolats, donc je sais pas quoi c'est. C'est trop chou. Et on a un autre livre, Samantha, céréale loseuse de Louisa Meonis. Voilà. Donc comme vous savez, moi j'aime beaucoup les livres. Si seulement j'avais plus de temps dans ma vie pour les lire, ce serait cool. Mais voilà, du coup je pense que je vais lancer un concours. En plus celui-ci, franchement, il est vraiment bien dans le thème de Noël. Donc je vais lancer ça en décembre. Voilà. Donc un grand merci à HarperCollins parce que franchement cette box je la trouve trop cool. Et si elle y est d'autres mois, je pense que je vais la prendre parce que je trouve ça trop bien. Et je pense que ça va être un super cadeau si vous avez des proches qui aiment lire, parce que ça vous envoie une petite sélection de livres. Voilà, je trouve ça top. Bon, hier je vloguais pas, hier on était le 12. Du coup je vais vous ouvrir le calendrier. Mais il est où le 12? Une crème pour les mains à l'amande. Bon, aujourd'hui nous sommes le 14. Oula, je suis en train de tout déchirer moi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Un gel douche verveine agrumes. Bon, j'ai fini de monter la vidéo pour ma chaîne principale puisqu'elle doit être publiée à 17h. Il est 16h40, elle est à 56%, donc ça va. Je viens de recevoir un colis à sauce, mais je peux pas vous montrer, voilà. C'était une surprise... du 25 décembre. Voilà, voilà. Mais je vais l'ouvrir parce que j'ai envie de voir. Mais je veux pas vous montrer parce que... Après, il y a des gens qui vont regarder mes vlogs et qui vont se spoiler. Bon, je sais pas si vous allez voir, c'est grave le bazar. J'ai posé plein de trucs sur le lit. Là, je me suis posée, je vais regarder des vlogs. Enfin, je vais prendre mon goûter. Et genre, je suis crevée, j'ai envie de faire la sieste. Là, j'ai du coup pas monté de vlog. Du coup, j'hésite à faire une petite sieste parce que je vous jure que je... fatiguée, genre je me sentais pas trop bien tout à l'heure, genre j'avais un peu la tête qui tourne, pourtant j'étais assise, hein, rien de fou, je sais pas, c'est bizarre, bref, j'ai un peu mal à la tête, bon, c'est beaucoup moins qu'avant, et... mais j'ai peur que genre que ça reprenne vu que je prends plus mon médicament, vu que le traitement s'est arrêté, genre j'ai trop peur que ça reprenne. Et sinon par rapport à mes poissons d'hier là que je vous ai montré, ben, en fait j'ai bien que deux jaunes, hein, et... Oh, un message. Alors que j'en avais bien 3 de jaune et genre il n'y en a pas un qui est mort, je comprends pas, il a disparu quoi. Et celui qui lave là je le vois pas trop, donc voilà, lui il se cache souvent, donc voilà, mais le jaune c'est pas genre le poisson qui se cache, donc c'est grave bizarre. Bref, je crois que je vais me reposer un peu parce que je suis crevée. Du coup je sais pas si je vais aller à la salle demain parce que comme je vous l'ai dit j'ai plein de trucs à faire. Trop de trucs à faire et pas assez de temps dans ma vie. C'est un peu embêtant. Voilà, j'ai envie d'aller prendre une douche, mais en fait j'ai froid, du coup j'ai la flemme là d'y aller maintenant. Parce qu'il faut se déshabiller quoi. Une fois que je suis sous la douche, c'est bien, mais le moment pour aller à la douche, j'aime pas. Et le moment quand tu sors, j'aime pas. Bref fouille. Je vais manger une petite part de flan qu'on m'avait donné, je vous avais dit, hier. Et il faudra que je fasse mon gâteau en plus. J'ai pas la foi, les gars. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à demain. Ba 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 ba